SBL Assurisé s'est fondée en 1994 sur deux constats. Un, qu'un village qui ne bouge pas se meurt. Et deux, qu'allons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants ? L'objectif est d'assurer le développement sur les plans économiques, touristiques et culturels des villages de Suris et d'Omzé. C'est ainsi que naissent le concours d'expression « Fais-moi un conte » et l'Estival du conte. Parallèlement, l'association s'intéresse aux énergies renouvelables. Son projet de biométhanisation et de cogénération est financé par la région Wallonne et l'Union européenne. Oui, c'est un beau projet environnemental, en ce sens qu'à partir de marchandises secondaires de l'agriculture, on arrive à produire une marchandise de haute valeur ajoutée, donc de l'électricité et de la thermie. De l'électricité, on produit la consommation du village. Et en thermie, on distribue une thermie sur 17 logements donc dans le village de Suris. Le projet est également intéressant sur le plan économique. Les premières analyses démontrent un retour rapide de l'investissement et il y a des aspects secondaires non négligeables. Tout ce qui est production donc de digestats retourne sur les champs, c'est une fumure de qualité. La production ici d'énergie thermique est redistribuée sur des habitations à moitié prix du prix du mazout, donc c'est un avantage important pour les personnes qui sont chauffées par ce type de production. L'électricité est mise sur le réseau, mais toutes ces productions sont locales. Voilà qui représente bien les avantages. L'outil logiquement fait des petits en Wallonie et attire le public. 9000 personnes ont visité les installations. Ces bénéfices, eux, sont destinés à redynamiser le village. La population locale est invitée à émettre des idées via le toute-boîte de l'association. Il est ainsi question de créer une maison de village. Et ce n'est pas tout. Deux idées sont développées pour produire davantage encore. L'idée ici, c'est de produire de l'algue à partir de ces marchandises et des algues qui sont capables, en biométhanisation, de refaire de l'énergie. Sur un biodigesteur, on pourrait à l'hectare avoir une production de l'équivalent de 80 000 litres de mazout hectare. Donc ça exprime bien sur relativement peu de surface quelle capacité de production on peut acquérir. Et puis un autre aspect, c'est du toastage de bois. Ça nous permet d'arriver à des bois qui font pratiquement 1,8 kg de matière pour l'équivalent d'un litre de mazout. Donc on voit les possibilités de ce type de production.